J'ai commencé à peindre de manière régulière et professionnelle, entre guillemets, il y a 7 ans. Avant, je dessinais, mais je ne m'étais jamais vraiment lancé sur une toile. Je pensais qu'il fallait forcément passer par une école et que voilà. Jusqu'au jour où ça a été un besoin vital, parce que j'étais dans une période de ma vie où je me suis lancé, où je me suis posé moins de questions. Donc il y a 8 ans, un peu, il y a 8 ans de ça, la progression de ma peinture, c'est vrai que j'ai commencé au pinceau. Toujours avec en tête cette impression qu'il fallait, qu'il y avait forcément un trajet obligatoire, c'est-à-dire on commence par le dessin, le pinceau. Donc j'ai commencé par le pinceau, beaucoup d'abstraits, ça s'est dessiné un petit peu plus après. Et puis le pochoir, je suis tombée dessus par hasard. Voilà, ça faisait partie de mon évolution. Je commençais à m'ennuyer dans le pinceau et j'ai commencé en fait avec mes propres photos à découper les contours au cutter. Et depuis, je l'ai plus lâché le cutter parce que c'est vraiment une gestuelle que j'aime beaucoup. C'est une gestuelle qui m'apaise et le temps que j'y passe aussi. Et c'est un temps qui me permet aussi de m'apaiser et de réfléchir pour d'éventuels d'autres travaux à venir. Mes inspirations, c'est l'actualité, le quotidien, le tous les jours, et puis aussi beaucoup mes émotions, mes sensations. Les sujets ont forcément un lien avec l'aspiration, forcément, et avec le sujet que je traite. Ça peut être donc une personne qui va représenter un mouvement. Ça peut être aussi des sujets cinématographiques, quelque chose de musical. Mon processus de création, en fait, j'ai jamais vraiment cherché à l'analyser, mais je crois qu'il est assez impulsif. J'ai pas de choses établies dans le processus de ma création. Je peux rester des jours à n'avoir rien ou pas savoir comment l'exprimer, et puis d'un seul coup, tout va arriver. Voilà, c'est assez impulsif. Alors le fond de mes toiles, c'est vraiment la partie, une des parties, et peut-être la partie la plus importante de mon travail. Le pochoir, à la limite, pour moi, c'est un outil. Le fond de ma toile, c'est ce qui va donner sa puissance, c'est ce qui va lui donner de la vie. Donc j'aime superposer plusieurs couleurs, j'aime les gratter, j'aime les arracher, lui donner cet aspect mur. Et puis certains murs qu'on voit dans la rue qui sont grattés par les gens, il y a eu du passage, il y a eu de la vie, voilà. Et donc elle est, c'est elle primordiale. La musique a aussi un effet sur mon travail parce que elle est très très importante. Quand je travaille en musique avec mon univers qui est l'univers punk. Il me donne un rythme, il me donne une puissance, et puis toutes ces revendications, tout ça, voilà. C'est tout un univers et je peux pas dissocier la musique punk de ma peinture punk, je crois. Alors, quels sont mes objectifs artistiques? Comment je me vois évoluer? Je sais pas si je me pose trop la question sur... D'ailleurs, ça serait contradictoire pour une punk de se demander pour le futur ce que... Je me pose pas la question, je travaille au jour le jour. C'est déjà des choses qui, par moments, m'angoissent parce que je me pose beaucoup de questions, je me remets en question. Donc, je me demande pas où je vais en être dans 15 ans, 20 ans au niveau de la peinture. Ce qui est important pour moi, c'est de toujours arriver à créer. Ce qui me fait peur dans l'avenir, c'est de ne plus pouvoir créer. Mais où je serai, je ne sais pas.